et bim! Orques à trésor, ces orques détiennent des objets de valeur. D'accord. C'est toi l'orque à trésor? Ouh, joli! La double parade! Allez! Ah, bien joué! Allez, bim! Aïe! Couché! J'ai dit couché! C'est bon? Je peux prendre les trésors? Bien! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Gemmes. Vous pouvez placer des gemmes dans les emplacements d'équipement pour obtenir des bonus. Bonus! Déverrouillé. Ah d'accord, c'est à ça que servent les sous-sous. Et le premier, il est gratuit. Ok. Alors, placer une gemme. Dégâts accrus de 10% avec cette arme. C'est craqué! C'est assez craqué quand même, non? Il y a un holocroncite à ta droite. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Il y a un holocroncite. Et ça, c'est quoi? Des sous, d'accord. Ok, bon enfin, moi à la base, je suis quand même venu là pour chercher les Tildines. Ah, moins qu'il faille, attendez. Hey hey! Alors, il faut se synchroniser. Itildine, trouvez les fragments d'Itildine dans cette région et remportez-les. Et rapportez-les à la porte d'Itildine pour reconstituer le poème. Une fois le poème reconstitué, la porte s'ouvrira et vous obtiendrez un trésor légendaire. D'accord. Amardad. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah très bien. Voyons. Alors, j'ai de l'Itildine là-bas. J'ai un orc qui pourrait me donner quelques infos juste là. Attends, avant de partir en chasse. N'allons pas trop vite en besogne. Voilà. Au hasard, toi. Non. Toi. Alors, Pushcrimp le futé. Très bien. Ouais, t'as une tête de... Je sais pas si vous avez vu, mais il a une tête de futé, hein. Le mot de passe c'est Mélone. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Litildin, il est là-haut. Allez, on va avancer un petit peu parce que si je commence à tuer tous les orques que je croise, j'ai pas fini. Hein. Ouais, ouais, je reviens. Tout, oh, ce sprint spectral. Oh là 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 là. Je m'appelle Sonic. Bon là par contre je pense qu'il va falloir éliminer tout ce petit monde. Ah tiens. Un homme du Gondor. Hugo le Grand. Tu devrais pas te cacher derrière les murs de ta ville maudite. Allez. Tueur. C'est quoi ça, voir l'entrée? Tueur. Je les connais, tes ruses, l'immortel, elles ne me font pas peur et je te montrerai des ruses qui font vraiment peur. Les tueurs ne vivent que pour le corps à corps et le fracas des lames. Leurs techniques d'espère font leur fierté et ils sont capables de contre-attaquer à une vitesse ahurissante et d'exécuter des frappes qui laissent leurs adversaires sans défense. Le coup de grâce arrive souvent trop vite pour que l'ennemi le voie sans parler de l'arrêter. Ces orques ont tendance à mépriser les mouvements de troupes tactiques et le tir à l'arc. Pour eux, le véritable combat a lieu à 1 contre 1 et se solde par la victoire sur l'ennemi acquise uniquement grâce à la force et à l'adresse. Allez! Ça me va. Ça me va. Pas d'arc. Je suis d'accord. Ah! Ouf! Bien joué. Ah, bien joué! À terre. Ah. Comment on fait déjà? Appuyez sur la touche indiquée quand le cercle mobile est à l'intérieur. Ok.
Attendez. J'ai dit qu'on n'utilisait pas l'arc, mais quand même, laissez-moi 2 secondes. Allez. Alors, enragé par ses blessures. Adaptation, hein, carrément. Bon, ben merci le garde, c'est toi qui l'as tué. Pour vous, c'est quoi votre univers préféré? Moi, c'est Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Ouais. Moi, oui, j'aime bien Harry Potter, c'est pas le même genre, mais ouais. Alors, Dague Gondorienne, bien. Niveau 4, bien. Attaque plus 9, ok. Ouais, effectivement, c'est plus joli qu'une épée brisée, on est bien d'accord. Et j'ai eu un point d'aptitude, si je ne me trompe pas. Attendez, hop, parce que j'ai gagné un niveau. Ouais, alors, voilà, je vais pouvoir prendre ce que je veux. Alors, combat, exécution, je pense qu'on va prendre directement l'exécution. Lorsque votre puissance est pleine, visez un ennemi et appuyez sur Y et B pour l'exécuter. Clairement, ça se passe de suite après le 1, Aquado. Ça fait quoi à distance? Alors, LTX, ah ouais, frappe de l'ombre, c'est vrai que c'est quand même pas mal ça pour se dépêcher d'aller sur un ennemi. Ça c'est pour des dagues, pour ça je m'en fous. Ado de bête, pour l'instant on s'en fout. Drainage, lance spectrale et pourquoi celui-là est jaune? Domination, finir les quêtes principales, d'accord. J'ai bien, ça fait quoi? Brutalisation, non, j'ai bien envie de prendre l'exécution. Hop, voilà, ça pourra être utile. Bon, ben on est bien. Et justement, il y a de l'itildine juste là. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin? Alors, il y a des capitaines. Je sais pas si je me... Est-ce que je me... Je vous pose la question. Est-ce que je m'occupe des capitaines qui sont là? Ou est-ce que vous préférez qu'on parte plutôt dans cette région pour récupérer l'Ithildine qui est là, l'Ithildine qui est là. Ouais, d'ailleurs, ouais, après il y en a d'autres là. C'est quoi ça, ce point blanc là? Je sais pas ce que c'est. Et éventuellement faire quelques quêtes qui sont là. Je sais pas, qu'est-ce que... Sinon c'est bien passé, les 100 gigas de données à télécharger. Ça a pris, pour si tu veux tout savoir, Gildar, ça a pris, ouais, ça a pris 2 heures pour télécharger les 100 gigas de données. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on s'occupe des capitaines qui sont là ou est-ce qu'on part plutôt dans la région sud-ouest? Je vous laisse choisir. C'est vous qui me dites ce que vous préférez. Capitaine pour Omicron. Ok. Il y en a un juste à côté d'ailleurs. 2 heures avec la 4G, ça fait 1 mois avec l'ancienne connexion. Non, ça, avec l'ancienne connexion, j'aurais mis plus. Mais tu réponds pas à ma question, Aquado. À part Omicron, les autres, vous en pensez quoi? Capitaine ou région sud-ouest? C'est-à-dire ici. Je pense qu'on est genre à 1-2 semaines de la prise de Minas Tirith. Oui, dans ces eaux-là. Je n'ai pas entendu les choix, j'ai micro AFK, bah c'est utile. Capitaine, donc ça fait, bon, capitaine, ok. Le plus proche, donc capitaine, bon bah alors allez, capitaine. Ça fera de l'XP, on y va, il est juste là-haut. Et là il y a, attendez, là il y en a un qui est vert, est-ce qu'il est au-dessus ou pas? Ouais, il est au-dessus, on va essayer de se le faire pour prendre des infos. Sud-ouest plutôt, bon bah. Pour l'instant, ça fait 3 contre 1. Salut Farage, comment vas-tu? Salut Sissi, bien et toi? Bienvenue sur le live. Alors. Voyons voir. Il est tout seul, allez. Puissance, les attaques réussies rapportent de la puissance. Oui, oui, c'est bon. Viens là. Non, viens là! Allez! On a un métamoi. Alors, un autre capitaine. Tiens. Ah bah c'est celui que je cible. Allez, donne-moi des infos. Korouk le dément. Bien. Alors, qu'est-ce que tu crains?
Les attaques de bêtes lui infligent d'importants dégâts, devient temporairement hébété en cas d'immobilisation glacée. Bon, on est un peu loin de ça. Il craint les dégâts par les attaques à distance. Très bien. Très bien, très bien. Il enrage quand tout le monde, il peut attaquer tout le monde. Le berserker s'épanouit en faisant mal aux autres. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors allons-y. Allez, merci. Merci du coup de main. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Attendez. Ah, il faut que je le trouve, d'accord, ok. Il est juste là. Krook. Pour ce que tu as commencé, tu as une préférence entre celui-ci et le premier? Je dirais que pour l'instant, c'est la même chose. Honnêtement, j'ai aucune préférence. C'est dans la continuité du premier. Je me suis éclaté sur le premier. Pour l'instant, je m'éclate sur celui-là. Voilà. J'ai pas assez avancé pour savoir, pour dire c'est bien, c'est pas, enfin c'est mieux ou c'est pas mieux. Alors lui, on va essayer de lui faire une exécution. Voilà. Allez, on va voir si j'y suis. Ah, il a un trésor. Hop. Oh, joli Celebrimbor. Ah. Aïe, attendez, attendez, il y a un trésor là-haut. Je veux prendre le trésor. On verra le reste après. Le son est encore décalé. Ah. Ah. Mais... Les vers sont dans ma tête. Ils gigotent. Alors, si le son est décalé, essayez de réactualiser le... Et essayez de réactualiser le stream. Ça peut peut-être aider. Voir si ça règle le souci ou pas. Alors, gemme de vie. Voilà. Essayez de faire ça pendant ce temps. Je regarde un petit peu mes gemmes. Alors, 1000. 1000. 1000. 1000. Ok. Et gemme de vie, ça fait quoi? Vol la santé accrue de 2% avec cette arme. Ouais. Ah, pour Guildart, le son n'est pas décalé. Alors, si c'est décalé pour certains et pas pour d'autres, c'est peut-être une baisse de débit de votre côté. Enfin, si Guildart me dit que le son n'est pas décalé, c'est que ça doit être une baisse de débit peut-être de votre côté. Alors, essayez d'actualiser la page pour voir. Bon, sinon, de toute façon, c'est les aléas des streams. Hein. Après, on fait comme on peut. Hein. Oula, bonjour tout le monde. Ah, bien joué. Aïe, 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 aïe. Du calme. Ah, voilà, merci du coup de main. Allez. Tiens, tiens. Ah, bien joué. Hey, il se défend, hein. Ah, bien joué. Non. Bah, fuck, j'ai pas eu l'opportunité de me reprendre. Bien joué. Faut que le dément. Bon, j'ai une revanche à prendre. Même en réactualisant, j'ai toujours le décalage. Alors... C'est ça qui est curieux, si tu me dis que toi t'as le décalage et qu'il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas le décalage. Je sais pas. Les soldats qui vous tuent sont promus capitaine et ajoutés au menu armée. Pour vous venger d'un capitaine qui vous a tué, trahi ou humilié, accomplissez une mission de vendetta contre lui. Les orques tués lors de ces missions de vendetta rapportent de l'équipement de qualité supérieure. Comme les missions d'ennemis jurés, les missions vendetta ont une durée limitée. Bon, mais on va essayer de le faire, hein. On va essayer de le faire. Un nouveau titre, très bien. Très bien, très bien. Bon, alors, j'ai une revanche à prendre. Mission de vendetta. Non, c'est pas là.
Oh, elle est là-bas où? À l'autre bout? Oh, vous exagérez, les gars, franchement. Bon, ben, on va essayer d'y aller. Ouais, mais franchement, déplacement rapide. Ouais, on va essayer d'y aller. Allez. Je suis où, moi, d'ailleurs? Ah oui, bah tiens, je suis dans une tour. J'aime bien, je suis dans une tour que j'ai pas encore débloquée. Alors, on va en profiter. Moi, j'ai un décalage chat stream. Ouais, mais ça, à la limite, c'est normal. C'est normal si t'as un décalage chat stream. Ça, ça n'a rien de... rien d'anormal. Ah, je crois que c'est bon, je suis à 360p, mais bon. Ah, donc tu vois, si quand tu baisses la qualité, c'est bon, c'est que ça vient pas du stream, c'est que ça vient de votre côté. Parce que si, sinon, le décalage, il y serait quand même, si ça venait du stream, même en 360p. Hein. Donc si tu humilies un capitaine en le traînant dans la merde de Caragor, il peut acquérir le titre d'un bout de crottin. Va savoir. Va savoir, va savoir. Bon. Alors, il y a des trucs pas loin, mais là, je vous avoue, pas de mort pour Talion. Quand vous vous faites tuer, oui, oui, ça, on sait que le temps se passe et il y a des missions d'ennemis jurés. Point d'aptitude obtenu. Ah, bien. Alors, des améliorations sont disponibles pour certaines de vos aptitudes. Oui, non, non, mais... c'est moi qui choisis si je veux une amélioration ou pas. Là, il n'y en a pas. Détermination sinistre. Vous gagnez de la puissance à chaque fois que vous subissez des dégâts. Ouais, ça peut être utile, ça. Je prends. Je prends, je prends. Ok. Bon, ben, ce qu'on va faire, on va faire un petit déplacement rapide jusque là. Et puis, on va essayer de se venger. La mission de Vendetta, ça me plaît bien. Voilà. Et... soyez ! Super saut de la mort. Alors, on récupère une flèche. Voilà. Pourquoi il y a une croix? Ah! Non, non, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Pourquoi il y a une tête de mort juste à cet endroit-là? Capitaine inconnu. Examinez l'indice. Cet orque veut nous piéger. Allons récompenser sa fourberie. Si tu veux, allez. Si tu veux, si tu veux. Soi. Oh, bien joué. Nous sommes très nombreux, nous sommes féroces. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Mina Sithil ne cède. Tu ne pourras pas y remédier. Ah mais je cherche pas à y remédier, je te rassure. Ah non, en plus c'est un arbalétrier. Non hein. Non, tu as pas besoin de soutien, crois-moi. Et tu meurs. Voilà. Alors, une cape de Rouirim. Voyons. Ça augmente ma furtivité de 3 points. Allez. Je prends. Je prends et du coup je reprends. Alors, je suis juste à côté de ces deux trucs, mais je veux ma mission de Vendetta, parce que comme elles sont à durée limitée... D'ailleurs ça doit être ça peut-être. Ah remarquez, c'est peut-être ça, les barres blanches qu'il y a, c'est peut-être des barres de temps. Donc si vu que celle-là elle est au maximum, j'ai peut-être le temps de m'occuper de ce capitaine et de récupérer l'Itildin qui est juste là. Alors on va peut-être faire ça d'abord. Alors, vigilant face à la furtivité. Très bien. Hein? Je vais me servir de mes lances pour te faire de nouveaux trous de verre un peu partout sur le corps. Bon bah si les capitaines viennent à moi, les chasseurs gardent leur distance et attaquent en jetant des lances. Ouais, pas de soucis, pas de soucis.
Oh, bien joué. C'est quoi ces esquives que tu me fais, toi? Encore? Ah, ça c'est autre chose, les Karagor. Attends, les Karagor, on verra après. D'abord... Allez. Couché. Il esquive le chasseur, hein, dites donc. Allez. Ah, bien joué. Ah mince, j'ai un archer qui me tire dessus. C'est pas bon ça. Attendez, là il y a trop de monde. Là il y a trop de monde. Je pense que je vais devoir entamer un repli stratégique. Là il y a clairement trop de monde. Et avec l'archer qui me tire juste au-dessus, ça va pas le faire. D'ailleurs, en parlant d'archer. Voilà. Oui, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres archers? Oui, il y en a un là-bas. Allez! Monte! Dégage! Allez! À nous deux! Et voilà! L'assassin de la tribu mystique est mort! Dégage toi! Alors, un arc numénoré 1, parfait, il fait 3 points de dégâts de plus. Bon, c'est pas énorme, mais... Mais pourquoi pas? Bien! Si tu veux, toi! Le Kara... Non, je voulais éliminer furtivement le Karagor, pas... Bon, c'est pas grave, allez. Disparais toi aussi. Ah, mais c'est pas vrai! Voilà. Donc, Lithildin et le capitaine. Il y a quand même beaucoup de monde autour du capitaine. Hein. Je sais pas si ça va être le fait de changer d'arme, c'est sympa contrairement au 1. Ouais, je suis d'accord que c'est plutôt sympathique. Alors toi, on va t'éliminer. Ça fera un archer en moins. Voilà. Parce que là, il y a clairement beaucoup de monde. Hein. Franchement, je sais pas si c'est prudent d'attaquer le capitaine. Là, regardez tous les orcs qu'il y a. Je pense que c'est pas forcément le plus prudent. Hein. On va peut-être simplement récupérer Lithildin et s'occuper du capitaine une autre fois. Hein. Même si pour le challenge, j'avoue que ce serait rigolo d'essayer. Mais j'ai peur que si je me fais tuer, après, le problème c'est que ma mission de vendetta disparaisse. Donc je préfère éviter de me lancer là-dedans pour le moment. Voilà, ça c'est fait. Alors, la vendetta, elle en est où? Elle a pas bougé, très bien. Ouais, non, je vais pas m'occuper du capitaine maintenant, parce que vraiment, il y a beaucoup trop d'orques, et j'ai peur que si je me fais tuer, la vendetta disparaisse. Donc, hop, on reprend la vendetta, et on va la faire. Allez. Non, t'as rien vu, t'as rien vu. Je t'assure, t'as rien vu. Alors, voyons, par où on va passer. Bah, suivez-toi, hein. Hein? Qui c'est qui me parle? Ah tiens, salut. Allez. Hop. Super. Alors, eh ben, attendez, il y a une Lithildin juste là. On va en profiter, tant qu'on y est. Elle est juste là. Oh. 4 sur 6, parfait. Alors, hop, hop. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des infos? Je sais pas. Y a un capitaine pas loin?
maintenant. Alors, il est là-bas. Très bien. Alors, on contourne. On contourne, on contourne. Hop, hop, hop. Tac. Voilà, 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 voilà. Y a pas un fût explosif dans le coin là? Non, non. Très bien. Dans ce cas, on va essayer de monter là-haut, au sommet. Chou! C'est tellement craqué, ce truc spectro là. Alors, où tu es? Tu es juste là en dessous, très bien. Alors apparemment il faut que je descende. Il a pas l'air d'être là. Tirer sur les œufs de goules pour attirer les goules. Où sont les œufs de goules? Je sais pas. Bon, allez, on descend. Alors, localiser la cible, d'accord. Où est-ce que tu es? Cet orque veut nous débusquer. Faisons-lui regretter cette idée. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. 12, vous croyez que c'est son niveau? Sniff, dit le sol pleureur. Sniff, sniff. Il se fout de ma gueule, mais je sens que ça va être compliqué. Là, d'un coup, il y a trop de monde. Ah! Fuyons! Voilà. Alors, attendez, attendez, attendez. On reprend ses esprits, là il y en a un peu trop. Wow, 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 wow. Ouais, bah enragé, voilà, attaque les autres vu que t'es enragé. Dégage toi. Ah, aïe, 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 aïe. Ouais, non, non, je vais me faire avoir là. Là, je vais me faire avoir. Repli stratégique. Repli stratégique. Voilà. Où tu sors toi? Dégage. Voilà. Dégagé. Le temps que je m'occupe du capitaine. Ah! Ah! Ta, 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 ta. Aïe, 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 aïe. Bon, je sens que lui, ça va être compliqué. Ah, mais il me bouffe en plus. Oh, toi. Oh, toi. Enfin, en tout cas, grâce à moi, tu vas... Bientôt, tu vas devenir chef de guerre, toi. Bien. Bien, 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 bien. Bon, bah très bien. On va se venger, mais peut-être pas cette fois-là, du coup, il se fout de ta gueule. Ah ouais, non, mais clairement. Mais tant mieux, je trouve ça rigolo. La tour, ça c'est bon. Alors, il est toujours là-bas, lui. Il y a cette mission qui va bientôt disparaître, on va peut-être faire celle-là d'abord, puisque le temps est bientôt écoulé, et après on repartira essayer la vendetta. Je n'abandonne pas la vendetta. Doro a désarmé. Il a les Nazgûl, mais c'est sa connaissance des faiblesses de ses ennemis. Je crois qu'il s'est trouvé une nouvelle Némésis. Et en plus, il a l'air complètement dément. Ouais, putain, c'est clair. Mais c'est tant mieux, tant mieux. On va rigoler un coup comme ça. Trouver, c'est trouver, mais perdu, tu te souviens plus. Bon, bah d'accord. Alors, voyons voir. Juste là. Wow, 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 bien joué. Tac, 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 tac. Alors. Voilà. Non mais, je veux pas... Je veux prendre la mission, voilà. Pillage de matériel. Des Gondoriens attaquent la cage de matériel de Tarz le Brillant. Allez, on y va. De marchandises ont disparu dernièrement. Ça doit cesser. Il nous faut ces provisions. Et ces orques doivent mourir.
Pas de soucis. Pas de soucis. Alors attendez, 2 secondes. Voilà. Pas moi. Mission terminée, il a fui et j'ai obtenu le... Il a obtenu le titre Froussard. Ah, c'est bien ça. Point d'aptitude obtenu, parfait. Il a obtenu le titre Froussard. Mais attendez, avant qu'il s'enfuit, on va essayer de l'attraper, de le tuer. Voyons, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça, LTX pour faire une frappe de l'ombre. Ça me plaît bien comme compétence. Et d'ailleurs, en parlant de cette compétence... Mais alors, je peux pas? Ah, c'est dans le feu, oui, je suis bête. C'est dans le feu, mais j'ai plus assez de concentration. Bon. Bon, ben voilà, il est mort. Ok, très bien. Super. C'était compliqué. Allez, on récupère ça. Alors, une dague numénoréenne, est-ce qu'elle est mieux? Non, elle est pas mieux. On peut pas les vendre, mais... Ah, voilà, détruire pour gagner des machins. Alors, on détruit pour gagner des machins. Ok, alors là, peut-être j'en ai aussi, du coup, ça. Voilà. Là, non. Au niveau des runes, est-ce que je peux... Non, je peux pas détruire la gemme. La gemme. Ok, bon. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Alors on y va. On va essayer de se le faire. Mais le problème c'est que plus il me tue, plus il devient fort. Et donc plus ça devient compliqué à chaque fois que je veux essayer de le tuer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va y arriver. Salut les gars. Aïe. Alors, il est là-bas. Allons-y.